Non mais c'est bon, tu vas passer ton temps à tuer des mouches. Ouais, laisse ça tranquille, allez go. En fait, je crois qu'il va juste frapper Sofiane là. J'arrive pas, attends. Putain, je suis nul là. C'est mon acquis de l'observation. C'est trop nul là. Je peux te le faire. Attends. Mais c'est t-shirt, c'est nul. Ouais, il est pas en fer. Il va toucher très seul. Quoique. Je me rapproche quand même. C'est juste, c'est pas manier le truc, c'est tout. Bien quoi la famille, on se retrouve du coup pour l'épisode 979 de One Piece, 979 pour les Français qui ont fait égal avec la Hongrie. J'espère que tout le monde va bien, la famille, du coup... Ma mère regarde le foot, non ouais, c'est pire footy que ça fait de la pièce. J'ai regardé un match sur les trois dernières années, vraiment. C'était vachement impliqué sur Twitter. Ouais, non, mais, non mais. Qu'est-ce qu'il raconte lui? Je sais pas, gros Griezmann, il est français. Bref, du coup, 979 de One Piece. Qu'est-ce qui s'est passé à l'épisode précédent? Là, on a eu droit à l'épisode de fou. Ouais, il était incroyable. Animation level Stampede, c'était incroyable. Pour un épisode. Ah oui! Face à des pays, une génération terrible. C'est terrible. Parce que moi, j'ai déjà vu des trucs encore pires que ça. C'est vrai que dans les scans, c'était vraiment un épisode, un scan lambda. Tu vois, genre en mode, ça va. Et déjà, dans l'épisode, ils se sont dit, vous me mettez 30 animateurs. Tu vois, voilà, l'épisode était incroyable et. Voilà, c'est le début d'Onigashima, on commence et ça me fait. Il fallait commencer en force, hein. Ouais, mais ils ont bien commencé. Ah ouais, franchement, ils ont mis la barre très haut. Omae wa mou shindeiru. Nani ? C'est pour nous hype de ouf sur Onigashima. Putain, j'ai cru que t'allais me donner un revers là. Genre ta gueule ! Regarde votre piste, les amis ! Du coup, à mon avis, ils voulaient juste hype à fond l'arrivée d'Onigashima et ça a bien marché, ça a très bien marché. Ça a très bien marché. Ça s'était fini sur l'arrivée de... Kyoshiro et... Kyoshiro qui était dans le Giro depuis le début. Ouais, l'entrée était réussie. Incroyable, et vous n'avez rien vu. Vous n'avez rien vu, les amis. Action. Réaction. Action, et yes. Et quand il se transforme instant, surtout. La transformation était fort rapide. Je suis mort, ils mettent toute la scène voilà. Dans le récap. Pour bien montrer. Pour la rentabiliser. Ouais, pour rentabiliser un match. Là, on va voir. Injection shot. C'était trop violent. Mais ils avaient tellement la confiance, ils ont par fait contre, le truc était ultra important. Il a dit son room dans la pluie, c'est cheaté ça. Ouais, mais c'est téléporté n'importe où. Hein. C'est trop fort. Mais moi, si je suis low, je prends des flingues sur moi. Hein. Tu vois, je tire partout. Je me téléporte. Oh. Après, il m'ont dégommé, c'était trop bon. La pluie aussi, frère. Ouais, lui, il est trop content de se manger. Ouais, regarde, il attendait ça, regarde-moi ça. Ça fait 20 piges, il attend ça. Il est énervé. Oh. Frère, moi, c'est oh, découpe. La flexance. Oh. S'il vous plaît. Là, lui, il comprend pas. Quand Jiro qui commence à bégayer. Ah, tu croyais qu'avec toi, comme Poucave dans le truc. Ouais, mais t'es... Ouh. Oh. 200 hommes en plus un Kiyoshiro. Ouais, Kiyoshiro oui. Qui envoie 10 000. Hein. J'accepte. Même Zoro, il va dire, ouais, il faut le prendre. Faut le prendre. Ouais, mais Zoro, il sortait déjà les épées. Hein. Ah, je rigole, c'est moi, Denjiro. Arrête. Ah, je donne un souvenir qu'il n'y a que King qui l'a. Allez, sympa. Oh, ça rappelle. Remettez-le-moi. Hein. Vraiment, j'accepte. J'accepte. What, dude? J'accepte. Putain. Ah. Oh là. Cascade de bord. Le bandeur d'Odem. Oh, j'ai des frissons. Même pour eux, le choc est immense. Mmh. Les retrouvailles incroyables. Vous qui l'avez attendu 20 putains d'années. Denjiro ! Quel plaisir. Ils vont te péter un plomb. Ça t'était pas prévu dans ton plan, fils de pute. C'est vraiment Denjiro qui a le plus de couilles, je crois. Parce qu'il a vraiment fermé sa bouche. 20 ans. Ah, il a tout fait, tu vois.
Pour être sûr que la taupe... Il a carry. Oh, let's go. Ah, on vous ramène. On vous ramène 1000 samouraïs, les amis. Oh. Oh là là là. J'ai que des frissons de l'année. Cet épisode, j'ai que des frissons. Ouh. Arrêtez. Tu vas rien prévenir. Ah mais... Comme ça. Il a compris autre chose, mais en fait. Ouais, c'est ça que j'ai... En fait, c'est ça que vous avez peut-être pas compris. Ah, j'ai pas capté. En fait, Kinemon, il a donné rendez-vous à un pont, à un port. Attends, je t'en prie, explique-moi. Attends, genre, il a carry, là. Tokage. Donc, il a donné rendez-vous au port de Tokage. Mais tout le monde a compris l'autre port, en fait. Tu comprends ou pas? Attends, donc tout ça grâce à une erreur. Ouais. De Kinemon. C'est ça, c'est ouais, un truc de fou. Kinemon, il s'est trompé. La meilleure erreur de sa vie, je crois. Il s'est trompé et du coup ça. Bah non, il s'est pas trompé parce que lui il a fait ça. Ouais, il a mal compris en fait. Ou il l'a mal dessiné en fait. Moi je sais. Voilà, en fait, tous les navires sont là en fait. Ils sont tous là. Personne n'est absent. Oh shit! Ils sont là! On est là! Au lieu de Tokage, c'est Habu. Oh my god! C'est incroyable! Toutes les armoiries sont là! C'est bon! C'est bon, tout le monde est là, les familles! Tout le monde est là! Oh, regarde le nombre de bateaux! Ça s'arrête pas! C'est incroyable! Donc en tout, il y a 5400 hommes! 4200, 5400, ouais. Plus, ouais, il y en a plein. Excellence. Wow. Incroyable. Oh mon dieu. Kinemon Akari sans s'en rendre compte, les gars. Il est là, lui aussi. Oh, j'ai des frissons. Tous les chefs Yakuza. Oh shit. Incroyable. 5400! C'est trop! Oh my god! C'est bon! Dis-toi, ils pensaient avoir tout perdu! Dis-toi, il y a deux épisodes, ils étaient solo sur une barre. Ouais. Et une barre. Là, ils ont encore plus d'hommes, tu vois! Ah bah oui, ils s'amusent tous! Ouais, ils s'amusent tous, hein. Ils sont en plaisir! Ils se disent, ouais, vu que tout le monde est mort, tu vas s'en battre les couilles! Putain, j'aime bien Zoro en noir comme ça! Ouais, un grave flow! Je sais pas, il me fait trop rire comme ça. En shogun. Peluche. Et Luffy, sa cape. Ouais, incroyable. Trop... Non, Luffy, c'est niqué. Ouais, j'ai pas tout suivi, mais c'est lourd. Hein. Vous avez beaucoup parlé. Vous avez sûrement raison. Ah, putain. Je suis content pour qu'il ait mal, en vrai. Parce qu'il se sentait baisé. Ah, en fait, il a... Attention. Carré. Attention. Comme God Uso. Regarde. Il va faire ça. Ça va garder charisme. Il est pas au courant, mais ça va. Qu'est-ce qu'il va leur dire? Il va pas leur dire. Il va rester un héros, quel roi! Il mérite, les gars! Ah putain, il va fumer, ouais! Ah là, il mérite quand même! Avant les bras croisés, il rougit un peu. Là, c'est il transpire, c'est la transpiration sur la tapis! Il va assumer ou pas? C'est vrai qu'il a flambé toute la chance. Il a flambé la chance. Il a une vie. Il lui reste plus de chance, gros. Là, il va sauter dans l'eau, il va die. Là, il meurt sur une peau de banane, il meurt. Ouais, c'est fini là. Allez, là il faut chauffer les troupes. Ouais. J'ai des frissons quand même. Même si je sais que c'est un escroc là, je le suis.
Mais c'est un bon escroc. Ouais. Oh mais c'est qu'il est bon. Incroyable. Ouais, trop de flow. Oh, oh là là, les amis. Oh, c'est trop là, la tête en plus, c'est trop. Ah, ouais, même les infos. Ouais, incroyable. Moi, j'ai incroyable. Trop envie de voir maintenant Bartholoméo qui arrive, la flotte de Luffy. Incroyable. Ce serait incroyable. Non, là, là, c'est... Franchement, c'est... Je meurs. Là, je meurs immédiatement. Imagine. C'est l'enculé. Les personnes veulent... Mais Lo, en vrai, il pourrait se taper directement derrière lui, en fait. Hein. Non Mais Lo, il s'en bat les couilles. Ouais. Il veut juste la tête à Kaido. Il veut pas... Eh oui, c'est un homme poisson, les Et amis. Tu me le tranches. Ah, il est... Yeah, ouais. Mmh. Ok, comme Joran, on dirait qu'il est très fort. Il est très fort en fait. Contre ce bel oiseau qu'il a fait. Putain, mais c'est un vrai. C'est un vrai oiseau là. Fils d'elle, tient comme une glace. Là. Un cornetto. Ah ouais. Il y a aussi Yori quoi. Personne va le choper. Il faut qu'il y ait Usopp, hein. Mais le sniper, il peut y aller. Ouais, lui, il était laid. Oh, sois digne. J'avoue qu'il est pas digne. T'es fils d'Oden. Ah ouais, l'héritier. Ah ouais, mais il est pourquoi? Ouais, salut les sagouins. Alors, qui est Usopp? Ah, Luffy comprend rien. Il dit, mais putain, moi à la base, je veux juste me battre là. Ouais, juste se battre au cadeau. Moi, c'est juste ça. Ah, c'est un bon épisode. C'est un épisode, c'est l'épisode qu'il fallait. L'arrivée de Kiyoshiro. Kinemon, avec son plan incroyable. Franchement, Kinemon, rendez-vous compte. La première fois qu'on l'a vu, c'était sur Punk Hazard. Ouais. Punk Hazard, quand il est arrivé, moi je pensais que c'était juste un perso random. Tu vois, vraiment, le perso m'intéressait pas du tout. En plus, il était à moitié, genre, il y avait sa barbe ici et ses cheveux ici. Tu vois, à l'entrée de. Ah, mais c'est parce qu'à cause de l'eau, je sais pas. Ouais, c'est l'eau, voilà. Mais du coup, après, on l'a vu sur Zoo, après, on l'a. Tu vois, le perso a évolué de ouf. Et même les fourreaux rouges, on en entend parler depuis un certain temps. Mais on pensait pas que, tu vois. Ça, c'est important. Gros, il y a un travail qui est fait là sur Kinemon qui est juste incroyable. Genre, on l'a vu passer partout. Moi, je kiffe Kinemon fort. Moi, je l'aime bien aussi. En vrai, c'est un putain de personnage. Là, il mérite d'être mis en avant de ouf. Hein. Franchement, ouais. Ouais. Le mec, il a. Avec sa petite erreur qui a sauvé tout le monde. Ouais, vraiment. Il mérite la meilleure. Tous les fourreaux, ils ont dit vas-y, c'est bon. On va te laisser ça. Mais t'as vu qu'il a rien dit. Il a dit arrêtez. Vainqueur, écrit l'histoire. C'est tout. Ça va être comme ça. Ah, Kinemon, très. Très fort, moi je kiffe fort Kinemon. Et maintenant Kiyoshiro aussi, vous allez kiffer Denjiro, du coup vous allez kiffer tous les fourreaux rouges en fait. Ouais, ouais. Vraiment tous les fourreaux rouges. J'aimerais bien celui avec ses cheveux roses aussi. Ah, Ashura, ouais, il est fort. Pour moi, Kiyoshiro, je crois que c'est le plus fort des fourreaux rouges. Kiyoshiro, en termes de puissance pure, je crois qu'il y a personne au-dessus là. Il y a moyen. Non, le mec est trop loin. Ça se voit, ça se ressent. Ashura Doji est fort aussi. Ashura Doji il est fort. Ashura Doji qui a 1v1 contre Jack il y a quelques semaines. Ouais, c'est vrai. Il a fait quelques mois. Il a un verre. Il a 1,5 milliard sur ça. Un milliard. C'est pas vrai. Hein. Il a coupé en deux, gros. Tu vois ce que je veux dire. Et en plus, le seul qui avait pété. Il l'a pas battu. Hôtel, non, il a coupé en deux, frère. Il l'a battu, entre guillemets. Je suis désolé, il était mort. Hein. Enfin, pour moi, il était battu, quoi. Ok, c'est vrai. Mais voilà, Jack, il a quand même tabassé Inuyarashi. Ok, c'est vrai. Facile. Putain, ouais. Moi. Me regarde pas. Du coup là, prochain épisode, ils arrivent au Onigashima alors. Ça va prendre du temps. Dites-vous que c'est vraiment. C'est pas que ça va prendre du temps, mais disons que il va y avoir vraiment beaucoup de trucs à expliquer et tout. Ce qui. Ah maintenant c'est que de l'explication qui arrive. Non, ça continue à avancer, et ça va bien se passer. Onigashima ça va être une dinguerie. Mais ça avance vachement vite, hein, parce que les scans, c'est très clair. Onigashima, nous on est arrivé là-bas il y a quoi, il y a 7-8 mois, je crois. Donc c'est vraiment. Et là, rapide. C'est encore Onigashima. Ouais. Vous êtes encore. Non, c'est même un an en fait. Putain, on a un an dans du Onigashima. Tu vois, truc comme Kanjuro, la traîtrise de Kanjuro. Ouais. Je crois que c'est l'un des derniers vidéos scans qu'on avait fait. Je sais plus c'est quand qu'on a fait les vidéos scans. Mais je crois que c'est une des dernières qu'on avait fait. Donc c'était il y a un an en réalité, tu vois. Et on est toujours Onigashima là. Bref, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo avec nous. N'hésitez pas à laisser un petit like, un commentaire, partager la vidéo, nous suivre sur les réseaux, le Twitter, l'Insta, le Discord, le Twitch, le tout dans la description. Et nous, on se dit à la prochaine. Force de frappe, esprit d'équipe, ensemble, la famille.